Je vais faire make-up. Avant de commencer le gâteau de chemise, je vais ouvrir un petit colis de bijoux. Alors normalement, il y a deux bijoux en acier inoxydable et il y a un bijou en argent sterling. Et genre vraiment, les bijoux, ils sont à mini prix et ils sont vraiment magnifiques. Elle m'a mis un petit bon, c'est trop mimi. Alors du coup, il y a ces cartes, elle est vraiment trop belle. Et derrière, il y a le code promo que je mettrai en description. Et bien sûr, il y a tous ses réseaux sociaux que je mettrai juste ici. Et aussi, je mettrai son compte TikTok en description. Il me semble qu'elle a mis son lien de sa boutique sur TikTok. Alors, à l'intérieur, il y a deux colliers. Franchement, ils sont trop beaux. Et ils sont super bien emballés. Et la bague qui est en argent sterling, faut pas qu'elle soit en contact de l'eau. Et à l'intérieur, il y avait aussi ça. Vous voyez le truc pour nettoyer les lunettes? Bah, c'est ça. Alors, on va commencer avec la bague parce que, franchement, elle a l'air magnifique. Vraiment. Déjà, j'aime trop comment c'est emballé. Et si je dis pas n'importe quoi, c'est une bague anti-stress. Elle est trop belle. Et là, ça tourne, genre, c'est trop bien. Donc, je vais l'essayer et je vais vous la montrer à la lumière. Donc là, ça donne ça. Et à la lumière, elle est comme ça. Elle est trop belle. En plus, elle brille. Et là, ça tourne. Après, je vais essayer ce collier. C'est marqué RIM. C'est le best-seller. Franchement, j'ai trop hâte de le porter. Trop beau. Et vous pouvez le personnaliser et tout. Enfin bref, magnifique. Donc voilà ce que ça donne. C'est super beau. En plus, c'est rare d'avoir un collier avec son prénom si vous avez un prénom rare. Donc voilà ce que ça donne à la lumière. Donc après, j'ai choisi un autre collier avec des perles. Il est vraiment super beau. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne pour porter. Déjà, j'aime trop la matière du fil. Je sais pas comment expliquer, mais genre, je la trouve trop bien. Donc voilà ce que ça donne au porter. Il est vraiment super beau, genre, j'aime trop. Et à la lumière, ça donne ça. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la boutique de joaillerie parce que les bijoux, ils sont trop beaux. Donc voilà, on peut passer au gâteau résumé tant attendu. Parce que vous m'avez spammé et tout. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté à cause des cours, des contrôles et j'avais pas la motivation pour me lever. Mais là j'essaie de poster le plus possible et en plus c'est bientôt les vacances donc voilà. Franchement j'ai trop hâte aux vacances et surtout à Halloween. D'ailleurs pour Halloween je vais fêter avec Oriane, dans le quartier d'Oriane, avec une copine de notre classe. Franchement elle est trop sympa. Donc normalement je vais m'habiller en Serena et Oriane en Blair et du coup la copine qu'on s'est fait à la rentrée, elle va s'habiller en Ginny. Franchement j'ai trop hâte. Du coup, le soir, je dors chez la maman d'Oriane. Donc, on va pouvoir regarder un film d'horreur. Je crois parce que je vais bientôt faire mes ongles. Puisque là, vraiment, il y a eu plein de repousses. Et il y en a un qui s'est cassé. Du coup, je vais les faire tout en rose avec une French dorée. Ça va être trop beau. Et sur cette vidéo, je vais tester des produits que j'ai pas testés dans mes autres vidéos. Par contre, c'est pas des nouveaux produits. C'est juste des produits que j'ai trouvé super beaux et tout. Genre que j'avais, mais je les avais perdus. Mais genre là, du coup, j'ai envie de les retrouver. Et franchement, c'était mes produits préférés. Ils sont incroyables. Bon là j'ai mis l'anti-cerne Rare Beauty et là je vais venir mettre l'anti-cerne de chez Make Up Forever pour que ce soit un petit peu blanc. Donc voilà, ça donne ça, j'aime trop. Et là je vais passer au bronzer. Donc c'est un bronzer de chez Guerlain, il est trop beau. Mais genre à l'intérieur il y a blush, bronzer et highlighter. Mais j'utilise plus pour bronzer parce que je le trouve trop foncé. Franchement il est trop beau, en plus il y a un miroir et tout. C'est grave pratique. Par contre ils sont grave bons, c'est un truc de fou, j'aime trop l'odeur. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça trop beau. Et maintenant on va passer au blush. Donc utiliser la teinte Hope. Donc c'est toujours la marque Rare Beauty. Franchement la marque elle est vraiment trop bien. Vous êtes même pas prêts, après il y aura un produit genre vraiment incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer, il est trop beau. Après j'ai envie d'aider avec un pinceau. Et d'ailleurs ma mère elle a commandé plein de pinceaux de chez Temu. Donc j'ai grave hâte de tout essayer avec vous. Donc après je vais remettre ma poudre de chez Huda Beauty. Bien sûr c'est pas ça le produit que je vais vous montrer. Hein, parce que celui-là vous l'avez déjà vu cette poudre. Par contre, cette poudre, vraiment, c'est la meilleure. Genre, j'ai même pas besoin d'en tester d'autres que je trouve que celle-là, c'est la meilleure. Ok, donc là, j'ai fait mon baking et je vais mettre mon mascara. Moi, j'utilise le Maybelline, c'est le meilleur. Genre, pour moi, c'est vraiment le meilleur mascara. Et je vais essayer de poser mon baking jusqu'à que je fasse mes sourcils. Par contre, désolée si je passe cette vidéo tard parce que là, il est déjà 17h. Donc, bon, j'espère que je vais pas poster trop tard. Là, ils m'ont dit ils aiment trop les vidéos longues. Donc, celle-là, elle est vraiment pour vous. Je pense que ça durerait plus de 5 minutes, mais je suis pas sûre. Par contre, j'ai oublié de me recouper les cils, mais c'est pas grave. Et là, j'ai enlevé les pâtés. Donc, toujours avec le Guerlain. Vous allez voir, genre, le prochain produit que je vais tester. Genre, celui-là que je vais vous montrer. C'est aussi un produit Guerlain. Franchement, les produits Guerlain, c'est les meilleurs. J'aime trop parce qu'il y a énormément de pigmentation et tout. Donc, voilà, ça donne ça. Ça fait vraiment des longs cils. J'aime trop. Pour mes sourcils, j'ai envie de les plaquer et les brosser avec un gel à sourcils de chez Morphe et tout. Je le trouve trop bien. En plus, j'aime trop la teinte. Lundi, j'ai un contrôle, je dois présenter un livre. Franchement, je suis grave en stress. D'ailleurs, quand on parle de stress, ma mère, elle m'a racheté la boîte pour les gommes contre le stress. Parce que j'avais déjà fini la boîte, parce que des fois, j'en prends deux pour les examens et un
juste normal. Du coup, bah là, j'ai juste une boîte vide du coup, et l'autre, elle est remplie. D'ailleurs, je suis grave contente parce que j'ai pu conseiller Abdel, car il voulait grave en acheter. Donc, je sais pas s'il a aimé ou pas. Mais genre, vraiment, ils sont trop, trop bien. Ils enlèvent grave le stress et tout. Enfin, ils ont un trop bon goût. Parce que moi, vous voyez, quand je passe à l'oral, je bégaye, mais vraiment de fou. Genre, j'arrive même pas à parler correctement. J'arrive même plus à respirer, en fait. D'ailleurs, mon anniversaire, je vous ai même pas dit comment c'est passé. Donc, c'était trop bien. On a fait au McDo, on a mangé le gâteau d'anniversaire, donc voilà, Gossip Girl. Après, on est allé au cinéma, on a regardé Mystère à Venise. C'était trop bien, par contre, ça faisait grave peur. Et il y avait une copine à moi, elle a peur des films d'horreur. Par contre, franchement, je savais même pas que c'était un film d'horreur, genre, ça faisait grave peur. Donc voilà, on va tester ça. Enfin bref, à refaire, c'était trop trop cool. Donc en gros, je crois que c'est genre comme la poudre Huda Beauty, mais genre, elle est pailletée, il faut en mettre là. C'est pour donner bonne mine et de l'éclair, il faut mettre un peu partout. Et franchement, c'est trop trop bien et ça sent trop trop bon. Donc il y a des billes violettes, roses, marron et jaune. Et voilà. Trop trop beau. Par contre, je suis grave fière du cadeau d'anniversaire parce qu'il était grave bon. Et en plus, grave beau. Au début, je voulais faire une photo de Lana Del Rey. Mais après, je me suis dit, ouais, je peux faire sur Blair et Serena parce que j'aime trop les actrices et tout. Enfin bref, voilà quoi. Par contre, j'aime trop la boîte. Je la trouve trop trop belle. On en parle que ma vidéo, elle dure 6 minutes. Mais bon, après, c'est pour me faire pardonner parce que... Il y a longtemps que j'ai pas posté. Par contre, j'oublie toujours de mettre du frais fixateur. Donc, on va remettre. Moi, je suis attirée un petit bruit. Je pense que c'est le meilleur. Ils sont trop trop beaux. Et après, on fait sécher. Donc, c'est mon make-up pour aller en cours. Donc, voilà, je termine. Bonne journée.